Bien le bonsoir, jeunes gens, amateurs d'horreur et de surnaturel. Bienvenue dans une nouvelle nuit d'horreur. C'est le baron de Grégueux qui vous parle et qui va vous lire un nouveau livre ce soir. À mon époque, pour avoir de la notoriété, il fallait faire preuve de noblesse. Ce fut le cas pour mon père, qui, revenu d'une bataille, nous fit acquérir le titre de baron. De notre famille, de riches nobles, avec moult roturiers à son service, prêts à tout pour sa seigneurie. Mais dans votre siècle perverti, le 21e, dites-vous, pour atteindre la notoriété, vous n'avez qu'à faire des choses stupides devant les internets. Et bien qu'à cela ne tienne, courir tout nu sur le périphérique, danser en string, faire des challenges. Vous êtes prêt à tout pour avoir des vues, de l'affection, mais de l'affection virtuelle. Maintenant, la question est, qu'êtes-vous prêt à faire pour avoir ce fameux buzz? Êtes-vous prêt à franchir certaines limites, certaines zones qui ne doivent et ne peuvent être franchies? Eh bien, c'est justement le sujet du livre que je vais vous lire ce soir. Bref, l'histoire que je vais vous raconter ce soir vous concerne peut-être. Elle raconte l'histoire de deux jeunes amis prêts à tout pour faire le buzz sur les internets. Ils avaient pour passion le paranormal et voulaient montrer au monde entier la preuve de l'existence des fantômes et éventuellement des autres vampires, loups-garous, démons. Mais pour ce faire, ils vont franchir des limites qui n'auraient jamais dû être franchies.
et ouvrir des portes qui n'auraient jamais dû ouvrir. Nos deux amis vont l'apprendre à leurs dépens. L'histoire que je vais vous lire s'intitule The Geeks Files, à la recherche de Cliclo, le clown qui ne fait pas rire du tout. Bref. Je vais à présent vous lire le livre The Geeks Files, à la recherche de Cliclo, le clown qui ne fait pas rire du tout. Cliclo le clown, qui était-il? D'où vient-il? Clown de cirque devenu clown de rue? L'histoire de Cliclo se perd au plus profond de notre histoire, car notre clown est issu d'une famille de saltimbanques, de père en fils, de génération en génération. Le premier des clowns de la famille de Cliclo que nous avons retrouvé a officié à la cour du XVIe siècle, au règne de Charles VI. Il mourut brûlé vif durant la soirée de triste mémoire, le bal des ardents. La trace de la famille de Cliclo fut perdue jusqu'à ce qu'une autre trace permette de le retrouver. Entre le règne d'Henri II jusqu'à celui d'Henri IV, il s'appelait Marcelino El Bouffon. D'origine hispanique, il fut cruellement assassiné pendant l'une des guerres de religion qui ont ravagé la France à cette époque. Massacré, dit-on, pour avoir voulu sauver un protestant. Puis le suivant que nous avons retrouvé s'appelait Titote le blagueur. Lui a officié à la cour lors du XVIIe siècle, entre le règne de Louis XIV et Louis XV. Malheureusement, personne ne sait ce qu'il est devenu. Il a subitement disparu sans laisser de traces. Mort de maladie, meurtre ou même suicide, suite à une disgrâce du roi. Tout a été envisagé sans pour autant avoir retrouvé sa trace. C'est en 1873 que nous trouverons le dernier des ancêtres de Cliclo le clown, un certain Clémentin Pantin, un simple clown de rue qui amusait le peuple sur le cours Lafayette ou encore sur une place de la Liberté à Toulon. C'est donc probablement Clémentin le père de Cliclo. Mais les historiens n'ont aucune certitude à ce sujet. Car Cliclo le clown est bien né à Toulon en 1880. Revenons à l'histoire de Cliclo le clown, de cirque devenu clown de rue. Nous savons que Cliclo travaillait au cirque de la Résurrection, un tout petit cirque qui était établi au quartier Sainte-Musse à Toulon. C'était un cirque particulier car il n'y avait aucun animal dressé comme c'était le cas à l'époque et encore de nos jours. Mais le manque d'animaux n'était pas la seule particularité du cirque de la Résurrection. La fameuse particularité, c'est qu'il n'y avait que deux types d'artistes seulement, les prestidigitateurs et les clowns.
les deux travaillaient ensemble dans des numéros mélangeant magie et pitrerie. Il fut détruit dans un terrible incendie criminel qui a tué tous les artistes. Tous. Sauf un qui a survécu. C'était Clic-Clos. Il ne dut son salut qu'au fait qu'il était simplement allé chercher du maquillage chez Madame Madinina Polixène, une costumière de l'Opéra de Toulon. La police n'a malheureusement jamais pu interpeller les coupables, même si les doutes se portaient sur la famille Broccoletti, des Siciliens originaires du Cotentin, venus à Toulon pour les affaires, disait-il. Car comme par hasard, après que les ruines du cirque eurent été détruites, ils réussirent enfin à acheter l'emplacement. Emplacement que les propriétaires du cirque avaient toujours refusé de leur vendre, même contre des sommes hallucinantes. Et que les Broccoletti voulaient absolument. Mais faute de preuves, la justice classa l'affaire sans suite. Déclarant, je cite, « L'incendie a probablement été allumé par accident à cause d'une des nombreuses lampes à pétrole. » Après la destruction du cirque de la résurrection, Clic-Clos n'eut que deux choix, changer de travail ou bien continuer seul à faire le clown pour gagner sa croûte. Il ne lui fallut pas longtemps pour prendre sa décision. Clown il est et clown il sera. Il dépensa sans compter ses économies avec l'achat d'un minérable studio situé au 11 rue Michel de Bourges, dans le pittoresque quartier de Pont-du-Lasse. Le reste de ses économies, il l'a fièrement dépensé en maquillage, masques et autres costumes. Bien qu'il avait d'autres costumes, tout autant magnifiquement colorés. Il y en avait un qu'il aimait en particulier. Une grande tunique jaune, les manches de couleur vert bouteille, un gilet mauve, plusieurs pompons rouges servant de boutons sur le devant, une fraise dite à confusion, mauve et verte bouteille, façon Renaissance lui cachait le cou, mettant ainsi sa tête et le maquillage en valeur. Il avait un énorme front dégarni. Le reste de sa tête était couvert de longs cheveux rouges vifs. Le visage, le crâne blanc comme la craie. Du bleu sur ses paupières supérieures rehaussait ses yeux et de fines fausses larmes descendaient en dessous. Des traits de noir qui passaient sur ses joues, couplés à un immense sourire rouge, maquillé par-dessus sa propre bouche, lui donnait l'air de sourire constamment. Il prit de toute évidence le nom de Clic-Clos, le clown souriant, car il faisait rire les petits comme les grands, les vieux comme les jeunes, les femmes comme les hommes. Très apprécié par les gens, il était adoré par tous et par toutes pour ses farces, ses mimiques, ses idioties. Tout se passait bien pour lui jusqu'à la sinistre date du 2 novembre 1922, où Clic-Clos fut engagé par la famille Broccoletti. Cette famille originaire de Sicile, qui avait été soupçonnée d'être responsable de l'incendie du cirque de la Résurrection, avait mystérieusement fait appel à lui pour animer la fête d'anniversaire de leur fils, Timothée, 10 ans. Ils décidèrent de faire la fête au sommet du Mont Faron, cette montagne qui surplombe la ville de Toulon et qui est pratiquement déserte, surtout en cette période de l'année. Étrange, vous ne trouvez pas ? Les Broccoletti, cette famille de truands suspectés d'incendie criminel, invitent le seul survivant du cirque qu'ils ont été soupçonnés d'avoir incendié.
et qui plus est, lui demande de faire un numéro dans un petit endroit isolé. Cliquelot, n'étant pas stupide, il se posa pas mal de questions. Mais en manque d'argent, il n'eut d'autre choix que d'accepter le contrat. Tout se passait bien. Les adultes comme les enfants riaient des farces de Cliquelot, le clown souriant, jusqu'au moment où le clown fit une blague pour faire rire la famille. Une blague qui ne les fit pas rire du tout. Pire que cela, la famille prit cette initiative pour une grave insulte. Cliquelot fit la célèbre sculpture de ballon, le ballon bite. Sûrement une farce pour faire comprendre à la famille qu'ils savaient qu'ils étaient les criminels. Soudainement, l'un des membres de la famille Broccoletti perdit son sang-froid et saisit une batte de baseball en bois de hêtre et donna un violent coup au clown en pleine mâchoire qui se brisa et dont le bruit des os craquants retentit dans la forêt. Pour une raison inconnue, d'autres hommes de la famille se joignirent au premier pour passer à tabac le pauvre clown. Coups de poing, coups de pied, les coups levés sur l'infortuné clown. La folie montra d'un cran lorsque l'un des membres s'empara d'un flacon d'acide sulfurique stocké dans le coffre d'une des voitures. Un acide qui devait servir pour la batterie. L'acide fut jeté au visage du clown et le fit fondre dans des hurlements de douleur. Hurlements qui résonnèrent jusque dans la ville en contrebas. Pris de panique à l'idée de se faire repérer par les gardes champêtres, l'un des Siciliens saisit finalement un petit pistolet à un coup et tira en plein cœur du clown pour le faire taire. La balle traversa son pauvre cœur. Avant que Cliquelot ne s'écroule à terre, raide, mort. La famille a réalisé le coup de folie qu'elle venait d'avoir. Assassiner une personne pour une simple blague de mauvais goût, à moins que cela ne soit une excuse, un prétexte, car Cliquelot était présent tous les soirs où les Broccoletti menaçaient sans détour ses anciens patrons et amis d'avoir un accident s'ils ne leur cédaient pas le terrain du cirque de la résurrection. Mais prétexte ou pas, c'était trop tard. Cliquelot était mort, le visage fondu jusqu'à l'os, méconnaissable et un énorme trou dans le cœur. Là, un des membres de la famille saisit un des masques de clown effrayant du sac de déguisement de Cliquelot, un des masques qui lui servait à interpréter la colère. Il fut placé sur son visage rongé et détruit par l'acide. Immédiatement, la famille saisit le clown ainsi que le sac de déguisement, d'accessoires et de masques. Ils le firent entrer dans une barrique de chêne qui se situait à côté du puits de la chapelle du pharaon. Mais que faire du cadavre? La famille se demanda un court instant où elle pourrait bien le cacher. Ils pensèrent un instant à le jeter à la mer, puis ils se ravisèrent de peur d'être vus. Ils pensèrent soudain au légendaire trou du diable. Une mystérieuse grotte profonde de 106 mètres. Selon la légende millénaire, cette grotte servait à faire des sacrifices humains pour honorer le diable. Les quelques spéléologues et autres archéologues qui ont eu le courage d'y descendre ont pu constater qu'elle communique avec une rivière souterraine qui débouche à présent sur les égouts de la ville. Mais les 10 archéologues n'ont pas pu y rester longtemps, car terrorisés à l'idée d'y croiser la sorcière. En effet, selon une autre légende persistante, les grottes seraient également hantées par la sorcière Graninova, une sorcière qui fut jetée dedans à la fin du XVIIe siècle lors de la dernière
chasse aux sorcières que la ville de Toulon donna en cette année 1680. C'est décidé. C'est dans le trou du diable que sera jeté le fût contenant le cadavre de Cliquelot le clown. Après avoir descendu la route qui y mène et ouvert la grille de la grotte maléfique, ils firent rouler la barrique, puis la firent tomber dans les profondeurs du précipice. Un bruit assourdissant résonna au fur et à mesure que la barrique roulait et tombait dans le fond du gouffre maudit, jusqu'au moment où un bruit d'éclaboussure retentit. Étouffé par la profondeur, ça en était fini de Cliquelot le clown souriant. Disparu, définitivement. Assassiné pour une injuste raison. La famille, une fois débarrassée du fardeau, s'en alla loin, se disant que personne jamais ne saurait et que personne ne se demanderait où est le clown qui faisait rire les gens. Pensant dur comme fer que personne jamais ne saurait la vérité, faute de témoins. Du moins, c'est ce qu'ils imaginèrent. Car dans les profondeurs de la grotte, la faible lueur d'une lanterne éclaira le visage d'une vieille femme, ridée par les années, par les siècles qui ont passé, yeux crevés mais voyante par l'esprit. Granny Nova était là, la fameuse sorcière de la légende était en vie. Elle qui pactisa avec le diable le jour de son funeste destin. Condamnée à hanter cette grotte qui mène à son antre protégé par de nombreux pièges mortels, condamnée à errer pour l'éternité, elle vit dans le cadavre du clown une possibilité de se venger du mal qui lui fut fait. Pour ce faire, elle prit la décision d'attendre un an, jour pour jour, avant de lancer sa malédiction vengeresse. Le cadavre du clown était là, couché sur le sol, à demi sorti de la barrique, qui avait perdu un fond lors de l'impact avec les eaux peu profondes. Le fût de chêne s'était échoué sur une berge de la rivière souterraine. La sorcière était là. Elle attendait devant le corps du clown qui se décomposait jour après jour, mois après mois. Une année passa. Du cadavre du clown, il ne restait qu'une momie pourrissante. Les vêtements et le masque sinistre toujours en place. L'année de la vengeance était enfin arrivée. Un an que l'esprit torturé de l'infortuné clown était ici à attendre la délivrance. Le dernier sacrement pour que son âme puisse rejoindre le canal de lumière. Mais il n'en saura rien. La sorcière décida de se servir de la haine qui ronge désormais l'âme du clown mort pour se venger de son propre destin funeste. Elle dessina un pentagramme au sol, accompagné de diverses formules magiques. Déposa une bougie à chaque pointe du pentagramme. Puis elle prononça une incantation inaudible et incompréhensible. Soudainement, tel le souffle d'un dragon, les flammes des bougies grandirent jusqu'à atteindre plus d'un mètre de hauteur. Un rire maléfique éclata, résonnant dans les tunnels de la grotte. C'est le rire du clown maléfique, gorgé de haine, qui se fait entendre. Une forme brumeuse sortie de nulle part. C'est le spectre du clown. La sorcière lui a permis de se manifester dans un monde des vivants.
Soudain, la momie du clown fut prise de spasmes incontrôlés. Le sang et autres fluides réintégrèrent le cadavre, reformant muscles, organes et peau. Tel un pantin désarticulé, la momie se releva sur ses deux pieds. Le spectre du clown se fit aspirer par la momie à demi reconstituée. Un nouveau rire démoniaque se fit entendre, suivi d'une phrase « Je vis encore ». C'est à ce moment précis que la sorcière prit enfin la parole et dit au clown « Je suis Granny Nova, la sorcière des bas-fonds. Injustement traqué comme toi tu le fus. Je t'ai ramené dans ce monde corrompu pour exercer une vengeance éternelle sur tes assassins, ainsi que sur tous ceux qui oseront profaner le monde du surnaturel par leur hérésie. Spectre revenu de l'enfer, tu pourras te matérialiser dans ton corps meurtri par la haine des gens. Forme spectrale, forme physique, choisis ce qu'il te plaît pour envoyer en enfer les âmes corrompues. Le tonneau qui te servit de cercueil, il restera à présent éternellement ici dans les cavernes. Tel le diable dans sa boîte, tu seras le clown dans le fût. Nourris-toi de leur peur pour te manifester. Nourris-toi de leur cœur pour avoir leur âme. Nourris-toi de leur cerveau pour absorber leurs pensées. Tue-les tous avec les farces qui t'ont coûté la vie. Clown un jour, clown toujours, tu demeureras éternellement Cliclos, le clown souriant. Spectre maléfique au service du diable. Immédiatement après cette phrase maléfique, le clown fantôme s'évapora et partit à la recherche des membres de la famille Broccoletti qui l'assassinèrent avec tant de cruauté. Il ne fallut pas trop longtemps pour que le clown spectral trouve l'un après l'autre et les massacre dans un jeu tragiquement comique. Il n'eut d'aucune forme de pitié pour eux. Tous y sont passés, les hommes, les femmes et les enfants. Toute la famille Broccoletti fut décimée, massacrée. Lorsque les gendarmes arrivèrent sur les lieux du crime, il ne restait des Broccoletti qu'un amas de chair ensanglantée. Les cadavres étaient tellement mis en bouillie que personne ne sut dire à qui étaient les morceaux. Une fois la vengeance accomplie, Cliclos disparut. Il retourna hanter les bois de la grotte, ainsi que les égouts de la ville, à la recherche de nouvelles victimes. Les gens qui profanent, ceux qui osent troubler le repos des morts. Mais en ce milieu du XXe siècle, la mentalité n'était pas à la profanation. Ainsi, l'esprit du clown s'en retourna dans sa momie, enfermé dans la barrique, au fond de la grotte souterraine, sous l'étroite surveillance de la sorcière Granny Nova. Il se passa plus de 70 ans. 70 ans que le clown fantôme était devenu qu'une légende pour effrayer les enfants. Quand arriva une terrible invention qui changea définitivement l'humanité. Cette invention s'appelait Internet. Et promet des choses merveilleuses comme elle promet des choses horribles. La mode à cette époque du XXIe siècle est la chasse aux fantômes.
certaines personnes se filmant dans des lieux supposés hantés et tentant avec leur caméra et leur appareil photo de capturer les spectres, voire les démons. Là où certains font les choses de façon respectueuse, comme le dénommé Gustave X ou le grand Jidaï, d'autres n'hésitent pas une seconde à profaner des tombes et profiter de la crédulité de leurs prochains pour avoir de l'argent facilement. C'est ainsi que d'autres personnes eurent à l'idée d'appeler l'esprit du clown spectral via une espérance de spiritisme bidon. Il n'en fallut pas moins pour réveiller son esprit farceur de l'au-delà. Le premier des malheureux se nommait Cédric Piffiz, propriétaire de la chaîne Chaussures de Fantômes. Un nom particulier pour une chaîne particulière, car il se servait de reliques de vêtements pour appeler des esprits. Il était de corpulence normale, bien coiffé en brosse sur le dessus et une petite queue de rat en tire-bouchon sur la nuque, voulant imiter les grands du paranormal, Piffiz alla sur la montagne maudite tenter de capturer l'esprit du clown. Simplement muni d'un K2 et d'une planche Ouija et bien d'autres accessoires, il démarra un live sur YouTube, la plateforme d'hébergement de sa chaîne, où il fit tout ce qu'il faut selon les procédés utilisés par ses idoles vidéastes et chasseurs de fantômes professionnels pour essayer de communiquer avec l'esprit de Cliclo le clown. Comme le veut le cahier des charges des chasseurs de fantômes actuels, il utilise des pods, des planches Ouija et autres détecteurs de champs magnétiques du type K2-metteur. Bref, il essaye de jouer au médium pour tenter de faire apparaître l'esprit du défunt clown. Excepté que n'est pas médium qui veut. Il n'en a pas fallu pas longtemps pour que l'esprit du clown se manifeste réellement devant lui, laissant entendre son risque rire grotesquement terrifiant. Immédiatement, une flatulence de terreur retentit dans les bois qui étaient pourtant calmes. Le clown spectral, revenu physique, se jeta sur le pauvre Piffiz. Une gerbe de sang éclaboussa la caméra de son téléphone d'où émettait la vidéo en direct. Puis il disparut. Ses spectateurs, horrifiés de ce qu'ils venaient de voir, appelèrent immédiatement la police. Lorsqu'elle fut sur les lieux du crime, ils ne retrouvèrent de Cédric Piffiz qu'une bouillie de chair ensanglantée, éparpillée. Cependant, tous les organes étaient présents, tous sauf deux, le cœur et le cerveau. Étrange constat. Symboliquement, une chaussure a été subtilisée au cadavre. Quelques jours après que le cadavre de l'infortuné chasseur de fantômes, ou plutôt chaussure de fantômes, fut retrouvé, les journaux firent les gros titres. Un cadavre a été retrouvé, une mort mystérieuse. Il n'en fallut pas moins pour intéresser d'autres youtubeurs amateurs, dont deux vidéastes, Piment et FMG, de la chaîne The Geeks Files. Damien, nom de code FMG, ainsi que Clément, nom de code Piment, les animateurs de la chaîne The Geeks Files. Une chaîne YouTube spécialisée dans le divertissement, jeux vidéo, manga, fiction et de temps à autre des enquêtes paranormales. L'occasion était trop belle pour Damien et Piment qui s'investirent à fond dans le projet de réaliser une vidéo à sensation avec le titre « Enquête sur le clown fantôme ». Il voulait utiliser respectueusement la mort de Piffiz comme matière à une nouvelle enquête paranormale.
car la rumeur que Cliquelot, le clown fantôme, soit celui qui ait massacré le malheureux Pifis, enfle et se répand de jour en jour. Parfois, les enquêtes vont vite. Quel dommage! Il faut qu'un mort pour voir se remuer l'appareil judiciaire à la vitesse raisonnable, de même que les journalistes pour en faire leur chou gras. De plus, vu que FMG et Piment résident dans la même ville, ils sont donc les premiers arrivés sur les lieux du crime. Et ils ne voulaient surtout pas que l'escroc du paranormal, Steve Fresjack, car connu pour ses frasques, et ces vidéos immondes sous couvert d'être des vidéos de phénomènes paranormaux réels. C'est le seul enquêteur qui vendrait sa mère dans le seul but de recevoir des dons pour des projets participatifs qui n'ont jamais vu le jour, parfois tellement ivre qu'il prétend que ces projets sont faits avant d'avouer à moitié sobre que ce n'est pas le cas. Le seul à prétendre que tout est réel, choisissant la voie du fric facile et des enquêtes truquées, ou même l'alcool dont il s'imbibe refuse de rester dans son estomac et ressort en jet devant la caméra, quand il ne tente pas de nourrir un démon oriental en déféquant sur la voie publique. De simples exemples. Pas question donc pour qu'il s'y rende pour simuler manifestations truquées et autres possessions douteuses pour gagner de l'argent sur les crédules et les personnes en position de faiblesse, accablées par le deuil ou un ou plusieurs proches. Pour nos deux amis, il fallait donc faire une vidéo propre, avant que les vautours du paranormal viennent souiller les lieux de leur ineptie sans respect. Aucun et sans honte, dont plus la ridiculisation d'un lieu où de tragiques événements eurent lieu. Ils gravirent donc la montagne dans une voiture sans permis, stationnèrent celle-ci près du sanctuaire Notre-Dame du Pharaon, la vieille poudrière convertie en chapelle. C'est sur des terres qui la surplombent que Cliquelot, le clown souriant, fut injustement assassiné. Damien et Piment s'y rendirent immédiatement, caméra au point, racontant approximativement l'histoire du clown. Les voici arrivés sur les lieux du crime du clown maléfique qui a massacré Pifis par vengeance pour avoir troublé son repos. Après avoir installé le matos, comme on dit dans le milieu du paranormal, ils se mirent au travail. Ils prirent leur facecam, permettant un retour caméra sur eux-mêmes, leur K2, détecteur de champ électromagnétique, leur téléphone, activé avec le mode avion pour que les propres ondes du téléphone ne perturbent pas celles du K2. Il y avait aussi l'application Ovilux, qui balaye fréquences contenues dans des bruits blancs, comme le ferait une radio et divers accessoires pour tenter de communiquer avec l'esprit de Cliquelot le clown et en savoir sur plus sur lui. Une fois sur les lieux du crime, ils eurent une idée. Faire une enquête en live sur YouTube. Qu'à cela ne tienne, le live était lancé. Le live débuta enfin. Ils avaient tout prévu pour que la vidéo soit la plus captivante de toutes les vidéos paranormales que l'on trouvait en ce moment sur YouTube. Même le grand Gus des X était là et assistait à la vidéo en direct, c'est vous dire. C'est donc entièrement équipé que Piment et FMG commencèrent à faire leur reportage sur la mort de Cliquelot, se servant du K2 pour révéler éventuellement la présence du clown fantôme. Et cela marchait bien. Le K2 fluctuait de façon anormale. Les diodes passaient du vert vers le rouge au fur et à mesure qu'il s'approchait du lieu du crime où Cliquelot rendit son dernier souffle, assassiné le 2 novembre 1922. Mais à moins de 30 minutes de live, les choses étranges commencèrent à survenir.
Ils trouvèrent divers objets sur les lieux, toujours balisés par les cordons de la police. Des ballons, des petits chapeaux, des langues de belle-mère, des masques et bien d'autres choses. Cependant, Damien et Pimon sont formels. Ils ont bien regardé attentivement la vidéo de l'assassinat de Piffiz. Très scrupuleusement, il n'y avait pas tous ces objets présents sur les lieux lors du live de Cédric Piffiz, ni sur la photo des journalistes lors de l'apparition des gros titres, ni la moindre trace d'objets qui leur faisaient face à présent. Puis, soudainement, c'est l'application Ovilux qui se mit à produire des résultats étranges. Cette application diffuse habituellement des mots aléatoires, traversant le bruit blanc, tel une radio balayant les fréquences dans le vide, ce qui permettrait, dit-on, aux entités d'utiliser ces fréquences vides pour faire passer un éventuel message et laissant penser à des mots de spectres venus de l'au-delà. Bien sûr, tout dépend de l'interprétation que l'on en fait. La plupart du temps, il s'agissait de pareidolie auditive, c'est-à-dire donner un sens à des sons en les rapprochant de mots existants, alors que ce n'est nullement le cas. Mais là, les mots sortis de l'application étaient très clairement articulés et semblaient étrangement cohérents avec le lieu et le spectre que Damien et Pimon tentaient d'invoquer. Parmi tous les mots, on pouvait entendre montagne, forêt, farce, mafia, clown, mort, barrique, grotte, piège, caché, sorcière. Revenu, enfer, pour vous, mort. Nom de Dieu, 6 milligos ! S'exclame Piment en constatant l'unité de mesure de son K2. Il agitait son appareil frénétiquement devant ses caméras, voulant montrer à ses abonnés et aux spectateurs la preuve de la manifestation du clown fantôme. Quoi ? T'as bien dit 6 milligos ? Lui demanda Damien d'un air effrayé. Car lui, qui se disait cartésien et voulait toujours trouver une cause rationnelle à chaque enquête, force fut pour lui de constater que cette fois, cela serait difficile et que les non-croyants allaient probablement être fortement remis en question. Oui, il a largement dépassé le compteur. Je l'ai vu et la rapidité de la fluctuation. Je dirais facilement entre 4 et 6, voire 10 milligos, lui répond Piment d'un air à la fois content et étonné de la réponse pour le moins rapide. Ils sortirent violemment de leur torpeur mêlée d'excitation quand des gros bruits de craquements de branches se firent entendre tout autour d'eux, les encerclant de toutes parts. Mais la décharge d'adrénaline les submerge quand soudain, il y eut une petite coupure dans la vidéo en direct. Un court-circuit ou bien autre chose. Merde ! Mais que se passe-t-il ? S'exclame Damien, pris de panique. Ce Piment lui répond : bordel, j'en sais foutrement rien. Il faut rien lâcher. Filme ce que tu peux, je crois qu'on tient le sujet du siècle. Poussé par le courage et la ténacité de son ami qui lui en avait une confiance aveugle, et écouté à cette phrase, Damien se ressaisit et filma autant et aussi bien qu'il le put. Le calme était revenu dans la forêt sombre, humide et brumeuse. Mais pas pour longtemps, car soudainement, au loin, sans même savoir de quelle direction il provenait, un étrange bruit se rapprochait. Un bruit familier. Un instrument de musique que tous les enfants connaissent. Un tambourin. C'était bien le bruit d'un tambourin.
secoué énergiquement, qu'il retentissait dans cette forêt brumeuse. Le bruit résonnait de tous les côtés en même temps. Impossible d'en localiser précisément la source. C'était partout. La panique s'installa. Piment et FMG ne savaient plus que dans quelle direction regarder. Quand soudain, le bruit sourd d'un canon à confetti retentit et les filles sursautaient. Une nuée de serpentins et de confettis colorés sortirent de nulle part. Subitement, un clown apparut, secouant énergiquement un tambourin dans une main et de l'autre, leur fille un signe de la main vers nos compères. « Coucou, c'est moi que voilà !» s'exclame le clown. Bordel de merde ! S'exclamèrent Piment et FMG simultanément. Ils restèrent figés devant le clown au tambourin qui se mit à rire d'une façon sinistre, le visage caché derrière un masque de clown maléfique. « C'est le spectre de Cliclo ! » s'exclame Piment. Aussitôt, Damien lui répondit « Bordel ! On se casse, Piment ! Laisse le matos ! Laisse le matos !» C'est bien volontiers que Piment écouta le sage et judicieux conseil de Damien. Nos deux amis se mirent à courir en direction de la voiture de façon effrénée, poussés par l'adrénaline et déterminés à rejoindre le véhicule coûte que coûte. Après quelques minutes de sprint, nos deux amis stoppèrent la course, prenant une pause, le temps de réfléchir et de se ressaisir. Et de se rationaliser. Ils se dirent « Putain, mais où sommes-nous ? Où est la voiture ?» Eh oui, c'est avec un désarroi non moins dissimulé que nos deux compères se rendirent à une évidence qui les glacèrent d'effroi. Ils étaient perdus. La nuit, la pluie et un brouillard épais à couper au couteau les avaient déviés du chemin qu'ils avaient pris à l'aller. Ils ne savaient absolument pas où se trouver. Égarés, seuls dans le noir, tout juste éclairés par la faible lueur d'une lampe à torche et des lanternes à gaz qui ne dureraient pas éternellement, surtout pendant une nuit sans lune. Bon, restons calmes, dit Piment, d'un air énergique. Et dont l'adrénaline semblait rendre sa logique encore opérationnelle. FMB s'accrocha au peu de rationalité qui lui restait et compléta ainsi la phrase de Piment. Selon la légende, le cadavre du clown a été jeté dans le trou du diable. Allons-y. Trouvons le cadavre et asportons-le d'eau bénite pour l'envoyer son spectre dans le canal de lumière. Après ce court briefing, nos deux amis se mirent en marche vers le trou du diable afin d'y descendre. Trouver les restes du clown avant que le fantôme de celui-ci ne les massacre comme il l'avait fait avec le malheureux Pifiz. La nuit était à présent noire comme de l'encre. Le brouillard rendait la progression lente et pénible au travers de puits sombres, ardents et ronce-long aux longues épines acérées. Les seuls moments où nos amis pouvaient apercevoir plus ou moins le chemin, c'est lorsque les éclairs réussissaient à percer l'épaisseur des nuages compacts. De temps à autre, le spectre du clown sinistre apparaissait, secouant le tambourin, visible lors d'un éclair, poussant d'un rire distordu à glacer le sang de celui ou celle qui l'eût entendu. FMG et Piment essayèrent tant bien que mal de presser le pas au travers des buissons de ronces qui ne les épargnaient pas et déchiraient à chaque enjambée les chairs de nos infortunés vidéastes qui y laissaient de profondes entailles et des cicatrices sanguinolentes. Et quand ce n'étaient pas les ronces, des champs de pierres acérées qui leur barricadaient le chemin.
tels de dangereux pics à peine visibles, ils prenaient le relais. Nos deux camarades marchaient précautionneusement sur des troncs, essayaient tant bien que mal de ne pas tomber sur les pierres pointues pour ne pas s'empaler. C'est comme si le spectre malfaisant du clown modifiait le terrain, mais aussi la faune et la flore pour faire de redouter la terreur de nos amis. Après un long périple dans une nuit glaciale, perdu dans ce brouillard qu'aucun couteau ne semblait même à présent pouvoir couper, à la limite d'une hypothermie inévitable causée par une pluie battante et un vent sinistre qui hurle entre les branches. Nos explorateurs arrivent enfin devant le bord de la route qui débouche sur le fameux trou du diable. Damien, que son instinct face à un tel périple avait voulu prudent et prévenant, sortit du sac une longue corde de chanvre qu'il prit soin d'attacher solidement à un barreau de la grille de l'entrée du gouffre. Immédiatement, il jeta toute la longueur de la corde dans le précipice et s'est courageusement accompagné de piments que nos deux amis spéléologues, le temps d'une enquête paranormale, entamèrent la descente vers l'antre de Cliquelot le clown. Ils mirent environ 20 bonnes minutes à atteindre le fond du gouffre, et croyez-moi, dans les conditions si décrites, cela paraît très long. Disons que la peur de voir un spectre apparaître à tout moment et couper la corde, pouvant ainsi précipiter les deux malheureux dans une chute mortelle, leur a donné un second souffle. Une fois en bas, Piment et Damien prirent la décision de faire une petite pause, histoire de reprendre leur esprit. Mais quelle pause ne put vraiment les reposer efficacement dans ces conditions de stress, de terreur, de froid, de solitude, poursuivis par un adversaire dont ils savent qu'il est déjà mort. Piment posa son sac à dos et en sortit un petit réchaud à gaz, utilisant ainsi ses parfaites connaissances de survivalisme qui lui avaient permis de s'équiper. Certes, d'un minimum, mais ô combien indispensable. Et il prit soin de préparer rapidement un café avec une petite cafetière à l'italienne. Pendant que l'eau chauffait, nos deux camarades approchèrent leurs mains gelées près du petit gaz afin de se réchauffer à la lueur de la petite flamme bleutée, dégageant une douce et agréable chaleur que nos deux compères n'avaient jamais tant appréciée. Les quelques petites minutes que mit l'eau à bouillir leur apporta un réconfort non négligeable. Le feu, dégagé par la flamme du réchaud et celui de la lanterne à gaz, émirent suffisamment de chaleur pour que les épargner de la morsure du froid qui put leur être fatale. Présentement, excepté le bruit du gaz qui brûle dans la lanterne et le réchaud, la grotte est silencieuse. On entendait de temps en temps le vent sinistre qui hurlait au gré des rafales. Mais également quelques petits bruits de gouttes d'eau qui tombaient du plafond. Mais le silence, parfois réconfortant d'un côté, peut aussi s'avérer anxiogène. Et c'était bien ici le cas. D'autant plus avec un clown fantôme à votre poursuite. Sans réponse aux questions qui martelaient dans leur tête de nos courageux enquêteurs, qui, comment, pourquoi, allons-nous nous en sortir vivants? Comment vaincre cette chose? Les pensées se bousculaient dans leur esprit sans qu'aucune n'ose exprimer leur crainte, laissant place au seul bruit que la nature faisait parvenir à leurs oreilles.
après avoir bu un bon café réconfortant par sa chaleur et avoir mangé quelques délicieux biscuits coco libé, nos amis ragaillardis ont désormais bien l'intention de trouver ce qu'ils sont venus chercher ici, le cadavre momifié de Cliclo le clown. Tu as vu la longueur de ces tunnels ? Même avec la meilleure volonté du monde, jamais nous ne pourrons trouver le bon tunnel à temps. La batterie de ma lampe n'est pas éternelle. Et même avec ton autre cartouche de gaz, le temps d'éclairage sera limité avec ta lanterne, s'exclame Damien d'un ton inquiet. Ce à quoi Piment répondit : T'as raison. Nous n'avons pas suffisamment de ressources lumineuses pour espérer trouver le bon tunnel et revenir. Si nos lampes viennent à lâcher ici, on sera condamné à mort. Personne ne sait que nous sommes ici. Et de toute façon, personne n'y descend jamais. Confirme le jeune survivaliste d'un certain agacement dans le timbre de sa voix. Pense-t-il alors avoir subi un échec, avec la responsabilité d'avoir emmené Damien, bien moins aguerri que lui. Mais il lui en faudrait plus à Piment pour renoncer à sortir vivant de cette situation, sauvant par la même son ami qui lui avait fait l'honneur de sa confiance. Bon, je te propose une chose. On prend l'un des tunnels au hasard, et on marche 5 ou 10 minutes. Si on ne trouve rien, on fait marche arrière et on rentre. On marquera juste d'une grosse pierre l'entrée du tunnel pour la prochaine fois. Ça fera toujours un tunnel de moins à explorer. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Mais j'en ai une autre. Je me rappelle que dans un de tes livres Histoire de Toulon, il y a une mention expliquant que l'un des tunnels déboucherait sur une vieille mine, utilisée jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et un des tunnels donne sur les égouts de la ville, lui-même tombant dans l'égoutier de la rivière des Amoureux. Et donc, plutôt que de tenter le coup à travers ce labyrinthe, je te propose de sortir de cette maudite grotte et de directement commencer nos recherches en démarrant par les égouts. Ah ! Très bonne idée. D'autant plus que selon l'un des témoignages, une personne dit avoir vu le spectre du clown dans les égouts. Il fait mention d'une sorte de mine ou des couloirs d'un temple. Ouais, donc au cas où, faisons comme t'as dit. Sortons de là et passons le reste de la nuit dans la vieille cabane d'Émile Vincent. Elle est pas loin. Et le fantôme n'aura probablement pas pouvoir nous atteindre à l'intérieur. Après avoir réfléchi judicieusement, nos deux chasseurs de clowns fantômes remontèrent lentement mais sûrement le gouffre du trou du diable. Et c'est après un long moment qu'ils atteignirent enfin la sortie. Exténués et à nouveau confrontés à la tempête qui faisait rage dehors, nos deux amis affrontèrent donc à nouveau la nuit, le brouillard, mais surtout la pluie accompagnée de bourrasques de vent glacial. Après quelques très longues minutes dans la tempête, FMG et Piment arrivèrent enfin à la vieille cabane d'Émile Vincent. Le naturaliste bien connu des Toulonnais pour sa bonté et son amour de la nature, et qui reboisa une partie de la forêt suite à de nombreux incendies du début et de la fin du XIXe siècle. La cabane est toujours entretenue à ce jour et sert de lieu de mémoire à cette personne. Nos deux amis rentrent sans difficulté dans la cabane très bien conservée. Ils retirèrent leur manteau trempé et tentèrent d'allumer un feu pour se réchauffer. Une fois le feu ayant bien pris, nos amis s'accordèrent le temps de se calmer et de se remettre de leurs émotions. Piment ressortit à nouveau le petit réchaud à gaz, mais cette fois il prépara des infusions. Réglisse menthe pour lui et verveine tilleul pour Damien. Le temps que la boisson soit préparée, nos deux amis décidèrent de faire un bilan de leur situation.
le premier depuis le début de leur terrifiante expérience. Bon, il est 5:00. Que faisons-nous ? Demande Piment. Bah, je te propose de relancer le live pour tenir informés nos abonnés et de ce que nous avons vu et vécu, répondit Damien. C'est donc calmement que nos deux amis repositionnèrent leurs caméras et autres appareils afin de relancer le live sur leur plateforme d'hébergement où leurs viewers devaient s'impatienter. Peut-être s'inquiéter, mais surtout avoir du buzz à se mettre sous la dent. Après avoir bataillé quelques longues minutes à cause d'une mauvaise réception et de multiples changements de localisation pour avoir du réseau, ils parvinrent enfin à tous à rebrancher leur réseau. Tous les abonnés étaient là et étrangement, ils leur dirent une chose étrange. Il y a eu une petite coupure dans le live. Comment ça, une petite coupure? Ça fait plus d'une heure qu'on tout a planté et que nous étions pourchassés par le clown fantôme, répondit Damien d'un air à la fois surpris et agacé. C'est alors que Piment lui dit d'un air paniqué. Non. Ils ont raison. Je viens de regarder la fin de la diffusion du premier live, là où il y a eu la coupure, et cela indique vidéo postée il y a 3 minutes. Suite à cette déclaration, il y eut un long moment de silence. Seul le bruit de l'orage, du vent qui hurlait entre les battants de la fenêtre et la pluie qui tapait sur les volets, il n'y eut plus un bruit. Plus personne ne prononçait un mot. Fec ! Telle est la première personne dans le chat agacée par cette accusation diffamatoire. Surtout après ce qu'ils venaient de vivre, Piment eut l'idée de prouver ce qu'ils avançaient. En effet, par chance, son téléphone, relié à YouTube, avait coupé le live. Mais l'autre petite caméra fixée à l'épaule, elle avait tout filmé. C'est ainsi que Piment et Damien purent prouver à leurs abonnés ce qu'il était passé pendant la petite coupure. Il brancha la petite caméra à une tablette et laissa tous ses abonnés visionner l'ensemble de ce que la caméra avait capturé et qui n'avait pu lui échapper. Y compris le moment où le live a été interrompu, prouvant par ce fait la véracité des propos des jeunes vidéastes. Tu te rends compte, Piment, ce qui vient de se passer? C'est comme si le temps venait de se figer. Pire. C'est comme si nous avions basculé dans une autre dimension, le temps d'un court instant. Ce qui expliquerait pourquoi les abonnés ont vu, eux, une petite coupure alors que pour nous, cela a duré plusieurs heures. Allons, c'est impossible. Rien ni personne de vivant ne peut stopper le temps. Et le voyage entre les dimensions, personne n'a pu le prouver jusqu'à présent. Pourquoi pas un trou noir pontillé? Avec toi, bientôt, on va voir arriver Stephen King et les Langoliers, répondit Piment d'un air sceptique. Soudain, un commentaire pertinent d'une des abonnées écrivit « Et si le clown fantôme vous avait fait entrer dans le monde des morts ? Ou mieux, une sorte de monde parallèle qu'il aurait créé ? Cela pourrait expliquer la coupure qui, pour nous, n'a duré que quelques minutes, alors que pour vous, ça s'est écoulé plusieurs heures. Vu que tout a été filmé, si on pouvait revisionner la vidéo, on pourrait essayer de faire une comparative du live publié avant la coupure et ce que vous avez filmé pendant celle-ci. Très bonne idée, répondit FMG Piment. C'est donc immédiatement qu'en live, les deux amis réussirent à monter leur rush brut et donc prouver à leur public la véracité des faits constatés. Enfin, on y était. Piment et Damien avaient réussi devant la France à prouver 2 choses au lieu d'une. La preuve de la vie après la mort et la preuve que les mondes parallèles existent. Mais une question subsistait toujours. En effet, lors d'un nouveau visionnage de la bande, nos amis et viewers remarquèrent une chose intéressante. Aucune trace de vie n'était visible dans le monde parallèle où ils se trouvaient. En effet,
bien que la tempête faisait rage au moment de l'enregistrement, les lieux semblaient morts. C'était d'autant plus flagrant que lorsque Piment et FMG eurent atteint la route devant le trou du diable, il n'y avait absolument aucune lumière sur la ville, ni aucun bruit d'urbanisation. Rien. La ville était bien là, mais comme s'il n'y avait plus un seul habitant, et pas la moindre âme qui vive. Soudainement, un spectateur réagit dans un commentaire dont l'idée glaça le sang de Damien, Piment, mais également de tous les autres spectateurs. Le commentaire disait ceci: et si ce n'était pas un monde parallèle, mais plutôt une projection dans l'enfer dans lequel Cliquelot le clown se trouve, un monde vide où il peut traquer ses victimes sans que personne ne le voie, et sans que ses victimes ne se doutent de l'endroit où elles se trouvent. D'ailleurs, peut-être vous y êtes toujours sans le savoir. Les cœurs de Piment et Damien se mirent à battre à vive allure quand ils se demandèrent à quel point l'auteur de ce commentaire pouvait avoir raison. Au début, il n'y avait qu'une centaine de spectateurs, mais le rapide partage de la vidéo spectaculaire et du phénomène qui se déroulait en live avait fait rapidement monter à 1500 puis 2100 spectateurs. Les commentaires défilaient si vite que nos deux héros, malgré eux, avaient du mal à les lire, même en ralentissant le chat. On comptait même des viewers étrangers, anglais, japonais, arabes, américains et bien d'autres. C'était une aubaine pour Piment et Damien. Prouver en live devant le monde entier que les fantômes et autres monstres existent bel et bien. Restez à connaître le prix de cette soudaine célébrité. Piment, vu que le direct fonctionne bien, retournons à la voiture et allons directement dans l'antre supposé de Cliquelot en passant par les égouts. Ce sur quoi Piment acquiesça. C'est donc en direct, devant le monde entier et sous une pluie battante, que nos deux amis réussirent à trouver la voiture sans permis et commencèrent à redescendre la montagne par la route sinueuse. FMG était au volant pendant que Piment, lui, filmait le trajet. Soudain, un rire clownesque retentit. Il semblait étrange. Provenir de l'intérieur de la voiturette comme de l'extérieur. Piment agite alors la caméra, enclenche la vision nocturne et commence à filmer dans toutes les directions, espérant que la caméra lui révèle où se cache le clown maléfique fantôme. Puis, soudain, il apparut enfin sur le bord de la route, le visage toujours caché mais par un nouveau masque de clown sinistre. Une grappe de ballons multicolores dans une main et de l'autre, il fit un signe au revoir ou adieu. Un autre rire démoniaque, cette fois-ci distordu, se fit entendre. Et alors que Piment se retournait pour filmer en s'éloignant, le clown avait déjà disparu. Lorsque Piment fit volte-face pour filmer la route rectiligne devant eux, le clown fantôme, un nouveau masque sur le visage, flottait sur le ventre, bras tendus, comme pour les attraper. Il se jeta sur le pare-brise avant de disparaître dans un rire démoniaque à glacer le sang. FMG, pris de terreur, manqua de peu de s'emplafonner dans un arbre. « Il est là ! Il est là !» hurla Damien à plusieurs reprises, à s'en casser la voix. Piment parvient cependant à le calmer, à éviter un accident mortel dans un précipice où il faillit rechuter, chose que le clown fantôme voulait probablement faire. Les commentaires dans toutes les langues affluaient sur le chat. Le nombre d'abonnés lui était passé de 3600 à 15200 en quelques minutes seulement. La gloire était enfin là pour les deux vidéastes. Une fierté soudaine et étrange envahit nos deux amis. Mais malheureusement pour eux, elle fut de courte durée,
car une vision d'horreur allait les faire sombrer dans l'effroi. Cette fierté allait-il devoir à leur mort ? Certes, ils ne seraient plus là pour en juger ni en profiter, mais un regain d'adrénaline les fit réagir. En effet, la voiturette venait tout juste dépasser devant le trou du diable. Or, d'ici, les arbres n'ont plus ou moins clairsemé rendre la vie facilement visible par la route. Mais il n'y avait là pas la moindre lumière, ni sur Toulon, ni sur la Valette, d'ailleurs, sur aucune autre ville à la portée de vue. Les ténèbres. Le seul moment où la ville semblait éclairée un court instant, c'est qu'un éclair parvenait à transpercer les nuages. Nos aris rêvaient que leur travail serait enfin reconnu sur YouTube. Cependant, ils ne s'étaient pas doutés que le prix à payer pour cette découverte serait probablement celui de leur vie. La panique était à son maximum. Aussi bien pour Damien et Piment que pour les spectateurs qui observaient sans pouvoir agir et sauver nos deux chasseurs de fantômes amateurs. De façon inattendue, Alain Chaours, un ami de Piment, appela sur le téléphone de celui-ci. Alain paniquait, lui aussi devant le live, et était donc témoin de la situation. Il proposa donc à Piment et FMG de faire une nouvelle expérience pour évaluer la situation. C'est simple, restez en live et venez devant chez moi, rue Maréchal Joffre. De toute façon, c'est sur le chemin qui va à l'égoutier. Lorsque vous serez devant ma maison, sonnez, je sortirai et nous verrons ce qui se passe. Très bonne idée, répondit Piment. Et Damien. Les spectateurs du direct, eux aussi, semblaient approuver cette expérience. Au bout de quelques minutes, nos amis se trouvèrent enfin devant la porte d'Alain. Pima sonna donc à la porte, comme convenu, et dans un suspense insoutenable, que Piment et FMG et les viewers attendaient de voir la porte d'Alain s'ouvrir. Mais rien. Personne n'ouvrit la porte. Soudain, le téléphone de Piment se mit à nouveau à sonner. C'était Alain. Il dit à Piment et FMG une chose qui les fit basculer dans l'effroi, ainsi que les spectateurs. Piment, Damien, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je suis toujours devant ton live, en direct, au moment où je te parle. Je vous entends sonner, puis frapper à la porte. Le problème, c'est que j'ai ouvert la porte. Mais vous, je ne vous vois pas. Pourtant, sur ma tablette, et donc devant ton live YouTube, tu es juste en face de moi. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais pour moi, vous n'êtes pas dans notre réalité. Vous devez toujours être prisonnier dans l'enfer de Clinclos. Il y eut soudain un blanc. Un bref moment où Damien, Piment et même les spectateurs ne commentaient plus. Puis Piment prit la parole. Ah, mon Dieu. Bon, pas de panique. Je pense que si nous parvenons à retrouver la dépouille de Clinclos et si nous parvenons à exorciser le spectre qui est toujours attaché au cadavre, nous serons donc renvoyés dans notre monde. Très bonne idée. Rétorquèrent à la fois Alain et Damien, mais également les spectateurs. Mais soudain, Alain, curieux de vouloir comprendre ce qu'il se passait, décida de faire une nouvelle expérience en direct, qu'il allait immédiatement et amèrement regretter. Les collègues, j'ai une idée. Je vais cliquer sur le bouton « Rejoindre » pour voir ce qui se passe. Piment et Damien n'eurent pas le temps de dissuader Alain de le faire, que celui-ci avait déjà cliqué sur le bouton. Avant même que nos deux amis aient le temps de prononcer un mot, ce fut à ce moment précis que soudainement, Alain se dématérialisa du monde réel pour se matérialiser devant Damien et Piment en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Allez,
avait donc ainsi décidé de lui-même de rentrer dans le monde infernal de Clitlo. Le voilà désormais également piégé avec Piment et Damien. « Malheureux, t'as perdu la raison. Pourquoi t'as fait ça ?» demande Piment d'un air inquiet. « Je me suis dit que si je cliquais sur le bouton « Rejoindre », c'est que vous alliez revenir, et non l'inverse, nom d'une pipe. Que va-t-il se passer? C'est l'apocalypse, c'est la fin du monde. Au secours, à moi, à moi !» Chaours, calme-toi, ça ne sert à rien de paniquer. On a déjà essayé. Au contraire, c'est ce que cherche le spectre. Plus on panique, et plus il se nourrit de notre peur. Je pense que c'est ça qui lui permet de se manifester dans notre monde et de contrôler son cadavre momifié à volonté. La peur et la haine, voilà ce qu'il veut, et il ne faut surtout pas la lui fournir. Le petit speech de Piment permit de rassurer rapidement Alain Chaours, mais aussi de redonner du courage au trio, pris au piège dans un monde infernal. « Alain, il me semble que tu as des armes chez toi. Si c'est le cas, prends-les. Je pense que ça pourrait nous servir contre le fantôme clown. Et si tu as une bible, un crucifix et d'autres conneries du genre, prends-les aussi. » demande Piment d'un air sérieux et malicieux à la fois. « J'ai bien des armes à feu, mais ce sont des antiquités. J'ai un petit fusil de chasse à un coup, un calibre 12, un Baïkal, un russe, quoi. Et j'ai aussi deux vieux pistolets à un coup, de style Louis-Philippe. Ils peuvent toujours fonctionner, mais que veux-tu en faire? Je te rappelle que Clitlo est un fantôme. Comment tuer ce qui est déjà mort? Les bails et la grenaille n'auront aucun effet sur lui. J'ai une idée, Chaours, et je pense que ça peut marcher. Mais avant toute chose, profitons que nous sommes chez toi pour nous boire une boisson chaude, le temps que je bricole les armes. Damien, Alain, mais aussi les spectateurs du direct sont intrigués de l'initiative de Piment. Comment des petits pistolets vieux de plus de 150 ans et un fusil à un coup, calibre 12 certes, pourraient venir à bout d'un spectre maléfique? Tout le monde resta quasi silencieux et regarda Piment se concentrer à concevoir des armes anti-fantômes. Il allait de soi que le trio se trouvait dans un monde démoniaque où il n'y a pas d'électricité, de gaz ou d'eau potable, dépourvu de toute forme de vie, excepté les trois amis. C'est donc à l'aide de la lanterne à gaz et la lampe torche de Damien que Piment bricola consciencieusement les armes. Pendant ce temps-là, Alain et Damien préparèrent du café à l'aide du petit réchaud à gaz de Piment. Ce dernier nettoya scrupuleusement les armes anti-fantômes. Puis il prit soin de les huiler copieusement. C'est alors que Piment sortit de son sac un multi-tool, une sorte de petit outil multifonction. Puis à l'aide de la pince et d'un couteau, il vida la grenaille de plomb numéro 4 des 4 cartouches de chasse qu'il versa dans un verre. Puis il remplit celui-ci d'eau bénite contenue dans une petite flasque métallique. Pendant qu'il laissait la grenaille tremper dans l'eau bénite baignant dans un verre, il prit les 3 grosses balles de plomb prévues pour les vieux pistolets. À l'aide d'un tournevis cruciforme, Piment perfora les balles jusqu'au milieu environ, puis en sortit un petit bout de coton du kit de survie qu'il trimballait constamment avec lui. Il saisit à nouveau la petite flasque d'eau bénite et en imbiba le coton avant cette dernière. Puis il enfonça le coton ainsi béni dans la cavité creusée un peu plus tôt dans les balles de plomb. Puis il reboucha enfin la cavité de celle-ci à l'aide d'une bougie qu'il avait dans son sac à dos. Pour finir, il retira la grenaille de l'eau bénite, puis la remplaça à l'intérieur des cartouches avant de laisser le tout avec quelques gouttes de cire de bougie. Voilà à présent que quelques projectiles bénis dont il ne serait
plus qu'à espérer que leur efficacité soit au rendez-vous. Et surtout, qu'elle soit suffisante face au spectre démoniaque afin d'en venir à bout définitivement. Les trois amis se répartirent donc les armes en fonction de leur habileté geek. Piment, expert du jeu Doom, prit naturellement le fusil. Damien, lui, habitué au NES Zapper, prit comme arme le pistolet. Et enfin, Alain, joueur aguerri de Dungeon Master sur Amiga 500, choisit le crucifix, la Bible, la flasque d'eau bénite, mais aussi le dernier pistolet. Le trio armé jusqu'aux dents marcha donc en direction de l'égoutier. Une sorte de petite rivière où les eaux pluviales se déversent. C'est hélas dans l'un de ces tunnels que se trouverait la bouche d'égout qui déboucherait, elle, sur le temple de la sorcière Nova. Rien de moins qu'une vieille mine où la sorcière aurait été bannie, condamnée à y rester jusqu'à la fin des temps par le baron de Grec. Le trou du diable et l'égoutier seraient donc les seuls moyens de parvenir à la vieille mine. Nos trois compères, toujours en live, arrivèrent enfin à l'égoutier. Après un légitime petit moment d'hésitation, ils y pénétrèrent, la lampe et la lanterne tenues à bout de bras. Les viewers étaient tenus en haleine, tous à la fois excités et terrifiés. Excités par le fait qu'ils vivaient par procuration une aventure paranormale en direct, et terrifiés de se rendre à l'évidence que les fantômes existent bel et bien, et par conséquent, probablement bien d'autres créatures démoniaques. Il fallut aussi qu'ils remettent en question leur « moi profond ». Eux, se délectant à regarder trois jeunes amis en danger face à une mort contre laquelle nul ne pouvait lutter sans y croire, sans le voir. Quelle leçon tirer de ce macabre voyeurisme ? L'attaque du clown démoniaque n'était-elle pas là aussi ? Passant les frontières des écrans et les claviers derrière lesquels ces youtubeurs se croyaient protégés. Quelle ironie, n'est-ce pas? Cela fait maintenant 5 minutes qu'ils marchent dans le tunnel de l'égoutier. À l'exception du bruit de l'eau qui coulait dans le ruisseau et le hurlement du vent, il n'y avait pas d'autre bruit étrange à signaler. Le bruit des pas des trois amis résonnait dans le long tunnel. Quand soudain, « Écoutez !» dit Damien d'un ton inquiet. « Quoi donc ?» demande Piment. « Il y a quelqu'un avec nous ?» répondit Alain d'un air paniqué. Nos trois amis firent donc un silence absolu afin d'entendre. Mais ils n'entendirent rien. « Ce doit être le stress. » « Reprenons la marche, » dit Piment d'un air serein. Mais à quelques minutes plus tard, quelque chose clocha. On entendait très clairement les bruits de pas de nos trois camarades. Or, il semblait bien qu'il y avait une personne supplémentaire. Effrayés, nos trois amis se retournèrent en sursaut. Et il était là. Le clown apparut devant eux. Il apparut en effet devant leur nez en poussant son rire maléfique tout en faisant tourner une crécelle qui fit un son abominable. Cliclo, toujours en ricanant, finit par lâcher la crécelle et avec sa main à présent libre, il retira le masque de clown sinistre qui cachait son hideux visage. Le visage d'une momie pourrissante, à demi squelettique, leur faisait face. Ses yeux secs et froids les fixaient du regard.
Puis la chose squelettique prononça une phrase avec sa voix distordue. Venez jouer avec le clown. La bouche s'ouvrait et se fermait, laissant ainsi sortir de une grosse langue gluante. Alain, Piment et FMG se mirent à hurler. Alain, par réflexe, jeta sa flasque d'eau bénite sur la momie du clown possédé par le spectre maléfique. Un panache de vapeur sortit des pores de la peau du cadavre pourrissant. Et là, le clown fantôme, qui ne s'attendait pas à cela, poussa un hurlement. Non de douleur, mais un hurlement de fureur. Ainsi, le spectre, contrôlant sa propre dépouille, commença à avancer vers nos trois amis, devant un public médusé. Certains s'étaient même déconnectés de YouTube pour ne pas voir la réalité, ou de leur peur que leur clown fantôme ne sorte de l'écran. Piment brandit alors le vieux fusil et fut feu sur Cliclot. Mais rien ne se passa. Putain de cartouche foireuse ! S'exclame Piment, pris de panique. En effet, les vieilles cartouches ont une douille en carton. Et il est probable qu'un mauvais stockage ait malheureusement neutralisé l'amorce ou la poudre. Alors que la carcasse pourrissante, furieuse, avançait pas à pas vers eux, Piment ouvrit le feu. Mais la cartouche ne parta pas une seconde fois. C'est alors que Piment ouvrit le fusil, remplaça immédiatement la cartouche défectueuse par une nouvelle. Il referma alors le fusil, arma et un nouveau coup foireux. Alors qu'Alain brandissait sa Bible et récitait des psaumes pour ralentir la progression de la carcasse pourrissante, Piment fouilla dans sa poche à la recherche d'une nouvelle cartouche. Alors que la main gantée et squelettique s'apprêtait à saisir Alain, un coup de feu ressentit dans un bruit étourdissant. Une main tendue brandissait un petit pistolet de poche. Damien avait heureusement pris l'initiative de tirer un coup avec le pistolet à percussion, car lui venait d'être fraîchement rechargé avec de la poudre et une amorce moderne. La balle traversa la carcasse pourrissante de Cliclot le clown. Cette fois-ci, il poussa un hurlement qui semblait être un mélange de douleur mais de haine. Une sorte de fumée ou vapeur sortait du trou causé par la balle. Puis soudain, pow, un nouveau coup de feu résonna avec plus de force. C'est Piment qui venait à son tour de tirer avec le fusil. Une cartouche avait enfin percuté, malgré l'âge de celle-ci. La gerbe de grenaille, bénite, frappa de plein fouet le thorax du clown squelettique qui soudainement s'écroula sur lui-même en un tas d'ossements, qui se mirent immédiatement à flotter dans les airs avant de s'échapper par un petit tuyau d'évacuation. Le tout dans un ricanement à faire frémir le plus courageux soldat. « Vous avez vu, on l'a eu !» s'exclama Alain, serrant contre lui sa Bible. « Pas de conclusion hâtive !» dit Piment d'un air sérieux. Il semblerait bien que les balles et la grenaille bénite, couplées au psaume d'Alain, aient plus ou moins atteint Cliclot le clown fantôme. Mais il n'est pas détruit pour autant. Sur les quatre cartouches, deux sont foireuses. Conclusion, il ne m'en reste qu'une. Quant à Damien, il lui reste seulement deux balles pour son pistolet et une dans le tien. Je ne sais pas si cela sera suffisant, mais la prochaine fois, il faudra mieux viser où nous sommes tous morts. Mais en attendant, trouvons un endroit un peu plus sec pour recharger le fusil et le pistolet et faire le point avec nos observateurs du chat, toujours en ligne. Peut-être ont-ils vu quelque chose ou même prévenu les autorités. Voire des prêtres, je ne sais pas. Après le petit speech de Piment, les trois amis exténués de l'aventure qu'ils vivaient marchent un très long moment devant les spectateurs que l'on peut imaginer terrifiés. Depuis combien de temps
nos trois héros n'ont-ils pas dormi et mangé un repas digne de ce nom? Après une longue marche dans un non moins long tunnel qui semblait interminable, nos compères arrivèrent à un endroit où une petite ouverture donnait sur un nouveau tunnel qui paraissait lui plus ancien. Sans qu'ils s'y attendent, une horrible chose leur fit face. Juste devant l'entrée du nouveau tunnel, un graffiti ornait le mur. Il y était clairement inscrit Clicklo the Clown Live, soit en français Clicklo le clown est vivant. Au pied du mur et à proximité de l'entrée gisaient plusieurs squelettes et cadavres en décomposition. En y regardant de plus près, certains os montraient des marques de dents, la moelle ayant été sucée. Sur les carcasses, il y avait des trous béants, comme si le cœur avait été arraché. Sur les crânes, il y avait des trous, visiblement des morsures, qui avaient été probablement causées par une mâchoire, qui ressemblait fortement à la mâchoire humaine. Les cerveaux des victimes semblaient avoir été extraits. Après avoir pris quelques photos des restes humains qui pourraient éventuellement servir à la police lorsqu'ils pourraient éventuellement le leur confier, les trois amis rentrèrent donc dans le nouveau tunnel, toujours sous le regard des spectateurs comme hypnotisés par le spectacle. Certains s'étaient clairement fait des pop-corns ou des boissons chaudes, comme s'ils regardaient une fiction à la télé ou un film au cinéma. Or, tout ceci était loin d'être une fiction. Damien, Alain et Piment prirent une nouvelle fois le temps de faire une pause café. Le petit réchaud à gaz de camping allait pour le coup être bien rentabilisé. Mais nos deux amis ont bien raison de s'accorder cette petite pause pour reprendre des forces, car la chose à leur trousse veut clairement leur mort. Il est donc plus qu'important que nos amis récupèrent. Alors qu'Alain s'occupait de faire le café à l'aide du réchaud et de la petite cafetière italienne, Piment, lui, prit le temps de changer la cartouche de gaz de la lanterne. Ceci étant fait, Damien, lui, changea les piles de la lampe torche. C'est après avoir constaté qu'ils venaient de mettre dans leur lampe les dernières piles et cartouches de gaz en leur possession que l'inquiétude monta d'un cran. Piment s'exclama d'un ton grave. L'autonomie d'une cartouche de gaz dans une lanterne est d'environ 6 à 8 heures maximum. Pour la lampe électrique, on lui dirait environ 5 heures. Il vaut mieux faire vite. Trouvons la dépouille, donnons-lui ses derniers putains de sacrements, puis sortons d'ici avant d'être à court de lumière. Cette vieille mine est un véritable labyrinthe, et je ne parle même pas des précipices et autres pièges mortels. Buvons notre café, savourons notre pause. On ne pourra probablement pas s'en faire une autre. Du moins, pas avant d'être béni, d'avoir béni ces putains de restes de clowns et d'être sorti d'ici. Alain et Damien approuvèrent ces sages paroles. C'est alors que nos trois amis s'adossèrent contre un mur poussiéreux et glacial, se mettent dos à dos pour mieux affronter le danger de toutes parts, puis ils prirent le temps de boire le petit café et se réchauffer à l'aide de la flamme du réchaud et de la lanterne. Le peu de chaleur qui s'en dégageait les aidait grandement à supporter le courant d'air glacial sur leurs vêtements humidifiés par la pluie et l'eau putride des égouts qu'ils avaient traversés. Le tout devant des spectateurs qui restaient quasiment inactifs, quasi captivés par ce qu'il se déroule devant leurs yeux. Après avoir pris le petit café revigorant, nos trois amis reprirent la marche. Mais la fatigue physique et spirituelle commençait à se faire sentir. Ils marchèrent droit devant, tournèrent à droite, à gauche, de nouveau à droite. En somme, ils ne faisaient clairement plus attention par où ils allaient et où ils mettaient les pieds. Mais c'est un événement tragique qui allait leur faire un électrochoc et les rendre à nouveau attentifs.
Alain avait pris la tête. Il était devant Piment et Damien, en formation triangle, tenant toujours sa Bible devant lui, récitant psaume après psaume, prière après prière. Soudain, un petit clic se fait entendre. Mais avant que nos amis aient le temps de comprendre la situation, une trappe s'ouvrit sous les pieds d'Alain, le faisant chuter dans une grande fosse remplie de pieux acérés. Le malheureux s'y embrocha, ce qui le tua sur le coup, sous les yeux hébétés de Damien, Piment et les spectateurs de YouTube. C'est ainsi que périt Alain Chaours. Mort, victime d'un des nombreux pièges mortels tendus dans le monde infernal de Cliclo, le clown fantôme. Des larmes coulaient des yeux et roulaient sur les visages de Piment et Damien. Des milliers de commentaires affluèrent sur le chat pour rendre un dernier hommage vibrant à Alain Chaours. Mais pour Damien et Piment, pas le temps de rester là à s'apitoyer. Ils savent bien que Cliclo, le clown fantôme, est là. Et s'ils n'en finissent pas rapidement, ils risquent fort de subir le même sort que le malheureux Alain. Ils sautèrent donc au-dessus de la fosse de pieux acérés qui eurent raison du pauvre Alain et où il reposait désormais son corps. Ils continuèrent leur but malgré la détresse qui se lisait sur leur visage. Ils marchaient maintenant depuis 15 minutes. Alors qu'ils allaient passer un nouvel embranchement, Piment saisit Damien par le colbac et le tira violemment en arrière. Juste à temps d'ailleurs, car Damien n'avait pas pris garde où il mettait les pieds. Il venait d'activer sans le savoir un nouveau piège. Une énorme poutre garnie de pieux jaillit du plafond de la mine et manqua d'embrocher Damien. Fais attention, bordel, il y a des pièges de partout. Puis après un long parcours passé à éviter les autres pièges mortels qu'ils parviennent à éviter, ils arrivèrent enfin dans une grande salle. La rivière passait devant. Dans la grande pièce se trouvaient quelques bibelots accrochés aux parois. Un bureau de fortune conçu à la base de vieilles charpentes de mine collées contre le mur. Il y avait tout un tas d'objets sataniques artisanaux posés dessus. Des crânes humains, outre un pot contenant un mélange de sang humain et animal. Il y avait également une vieille planche Ouija posée sur le bureau. Et à la vue du peu de poussière qui la recouvrait, elle venait d'être utilisée il y a peu de temps. Le tout était éclairé avec de grosses bougies faites en graisse animale, à moins que cela soit de la graisse humaine. Dans un autre coin de la pièce, il y avait une vieille paillasse qui faisait office de lit pour la personne qui y vivait dans ce lieu, incontestablement habité. À proximité, il y avait un petit chaudron de cuivre qui était mis sur le feu. Il y mijotait une mixture peu ragoûtante et malodorante, ce qui ne donnait nullement envie d'en goûter le contenu. Les murs étaient garnis de trophées humains. Crânes, scalpes, têtes réduites, peaux de visage ou peaux complètes tendues sur des cadres de bois. Tous ici rapporté par Cliclo le clown, chaque trophée était une partie d'une personne qui avait osé troubler le sommeil du clown. Enfin, dans le dernier coin de la pièce, trônait un gros tonneau de chêne qui devait être là depuis un bon moment compte tenu de la poussière déposée dessus. Néanmoins, des traces de doigts étaient présentes sur la bordure de la barrique, comme si une personne était à l'intérieur et d'une façon ou d'une autre était parvenu à en sortir. Et en effet, en y regardant de plus près, le couvercle du dessus était amovible. En le retournant, Damien constata de multiples traces de griffures sur le bois de chêne pourtant extrêmement dur. Dans le fond du fût, il y avait un liquide poisseux qui puait atrocement. Mais en y regardant encore un peu mieux, il vit clairement une chose qui lui fit comprendre où il se trouvait. Un pompon rouge flottait à la surface du liquide présent dans le fond du baril.
un établi garni d'objets de sorcellerie. Nul doute possible, Piment et Damien sont dans l'antre de la sorcière Graninova, gardée par Cliclot le clown. Un peu comme dans Aladdin, la grosse barrique faisait office de la lampe du génie. Le fantôme du clown ou la carcasse pourrissante en sortait à la demande de la sorcière nécromancienne. Le spectre, lui, avait tout le loisir de choisir l'apparence qu'il voulait prendre pour tuer ses victimes. Soit sous forme de fantôme, soit en contrôlant temporairement son propre cadavre momifié. Damien et Piment étaient ébahis par l'endroit, terrifiant et mystique à la fois. Les spectateurs du live restèrent également silencieux, admiratifs de ce qu'il y avait à la chance de voir. Dans cette petite pièce d'environ 70 mètres carrés, régnait une ambiance particulière. C'est comme si le temps s'était resté figé pendant plus de 300 ans, à l'époque où la sorcière avait été condamnée à errer éternellement dans cette mine. Soudain, une voix tremblante se fit entendre. « Bienvenue dans cette nuit d'horreur. Bravo. Vous êtes les premières personnes à être parvenues à arriver vivant ici. Je ne vous présente pas Cliclot le clown, gardien des lieux. » D'un coup, sortant du lit de la rivière souterraine, la momie de Cliclot le clown faisait surface de la vase immonde, ruisselait sur lui sans pour autant le mouiller. Comme si une force inconnue rendait la momie incorruptible. Ni l'eau, ni la poussière ne pouvaient s'accumuler sur lui. Nous avons réussi l'épreuve. Laissez-nous rentrer dans notre monde, à présent, s'exclame Damien. C'est vrai, laissez-nous partir, rajouta Piment. Mais la sorcière ne l'entendait pas de la même oreille et leur répondit. Quelle épreuve? Il n'y a jamais eu d'épreuve. En revanche, il y a bien eu un message. Si vous vous trouvez dans ce monde, c'est parce que vous avez péché. Vous avez tout simplement remarqué que les prières de votre ami Alain n'avaient aucun impact sur le spectre. Et pourquoi les prières n'ont pas marché selon vous? Eh bien, c'est simplement parce que Dieu vous a renié au moment même où vous avez invoqué l'esprit de Cliclot. Vous, comme bien d'autres, ne prenez pas garde, mais Dieu interdit clairement la discussion avec les morts, et encore, si ce n'était que ça. Mais non, votre époque est corrompue par vos actes blasphématoires. Je ne vais pas vous énumérer tous les interdits des dieux que l'humanité a bafoués depuis des siècles. La seule chose que je peux vous dire, c'est que les dieux vous ont abandonné depuis bien longtemps. Catastrophe, famine, pandémie. Croyez-vous que votre Covid-19, comme vous l'appelez, est une simple maladie? Si c'est le cas, lorsque la prochaine pandémie sera là, vous comprendrez l'avenir qui attend l'humanité. Et si j'ai permis à vos appareils diaboliques de fonctionner jusqu'ici, c'est juste pour que vos spectateurs, avides de cruauté et de perversion, puissent comprendre le message des dieux. Vous êtes tous damnés, la fin du monde est en marche. Soudain, Piment s'exclama. Mais vous êtes aussi damné. Vous avez pratiqué la sorcellerie. C'est pour cette raison que le baron de Grégueux et le père Champignon vous ont banni dans l'éternité de cette fange immonde. Mon pauvre. Tout comme le baron de Grégueux, vous n'avez rien compris. Je ne suis pas une sorcière. Je suis un oracle, le
dernier des oracles envoyés par les dieux pour vous prévenir de l'humanité qu'ils vont à leur perte. J'ai été envoyé à son époque très exactement 100 ans avant la Révolution. Si il n'avait pas été si obtus, il aurait compris. Il aurait pu faire passer le bon message et sauver la tête du roi qui représentait Dieu en France. Mais en m'enfermant ici, il a refusé le message et le roi qui représentait Dieu a été assassiné par votre peuple dépravé et votre république corrompue. Et le clou final qui a scellé le destin de l'humanité, vous l'avez posé en 1905 avec votre loi sur la laïcité. En faisant ça, vous avez clairement annoncé que les lois des hommes passent avant celles des dieux. Soit. Sachez, pauvre mortel, qu'il ne vous pardonnera jamais une telle offense. Souvenez-vous d'Idi Blé d'Égypte, et encore, il avait laissé une chance au peuple d'Égypte de comprendre le message et de corriger leur erreur. Vous, l'erreur que vous avez commise est irréparable. Vous avez dénié le message du Christ. Si tu renies Dieu à la face des hommes, il vous reniera à la face des anges. Vous qui avez bravé tout de même avec courage cette épreuve, je vais tout de même vous épargner le feu éternel de la géhenne. Ainsi, Alain, Damien et Clément, je vous condamne à rester éternellement ici dans ce monde vide. Vous serez éternellement condamné à être traqué par Cliclo, le clown fantôme. Et peu importe dont la façon dont vous périrez, vous revivrez éternellement cette journée, encore et encore, qu'il en soit ainsi. Après votre trépas, vos enregistrements de vos appareils diaboliques seront déposés à l'entrée de la mine afin que votre monde corrompu puisse faire passer le message. C'est l'apocalypse. Suite à ce long monologue, la panique fit rage sur le chat, là où certains se sont déconnectés, espérant de ce fait échapper à la malédiction. D'autres implorèrent la pitié, alors que d'autres insultèrent copieusement l'oracle Graninova, incitant Piment et Damien à abattre cette dernière. « Salope ! Pitié ! C'est pas juste, j'ai rien fait ! Ben, je m'en fous, là, la grosse louche ! Il va mourir, salope ! Dépisteur ! Allez, Damien ! Je suis Jacques, moi, tu sais ce que c'est que Jacques ! Tu évites cette sorcière! Allez, Piment! Abattez-la! Vite! Tels furent les quelques messages qui arrivèrent sur le chat. Alors que le clown momifié marchait à nouveau lentement en direction de nos amis, ne sachant pas trop quoi faire, Piment et Damien n'eurent pas trop le temps de se décider. Ils conclurent donc, comme un accord, qu'ils devaient essayer de tuer l'oracle et renvoyer l'esprit du clown dans le canal de lumière. Alors que Piment pointait le canon du fusil en direction de Granny, Damien fut le premier à faire feu avec le vieux pistolet sur Cliclo. Mais le clown ricanait. Car pas une magie ou une force incroyable, il avait stoppé net la balle bénie qui arrivait sur son front. Il la tenait entre ses doigts gantés. Soudain, il sortit de sa poche de son costume une sarbacane fantaisie en carton. Puis il fit entrer la balle et comme il l'eût fait avec un simple cotillon, et c'est avec un souffle puissant qu'il renvoya la balle en direction de nos amis. Là où Damien
Ayant vu l'action du clown, il parvient in extremis à esquiver la balle. Ce ne fut pas le cas de Piment. Ce dernier, mort sur le coup, lâcha son fusil avant de s'écrouler sur le sol. En heurtant le sol, la mécanique du fusil s'enclencha. Un coup de feu résonna dans la grotte. La gerbe de plomb frappa de plein fouet l'entrejambe de Damien qui tomba à genoux en faisant pression sur la plaie saignante. Bloqué par la terreur et la douleur, Damien n'eut pas le temps d'éviter les mains de Cliclo le clown qui se saisirent du sommet de son crâne. Alors que la caméra fixée sur le thorax du cadavre de Piment couché sur le côté continuait à filmer, les spectateurs restants furent témoins de la mise à mort de Damien. Les mains du clown se mirent à presser le crâne d'Damien, quand soudain, une des mains gantées du clown posée sur le crâne de Damien fit un quart de tour. Un horrible craquement se fit entendre. La momie de Cliclo, mue par une force incroyable, parvient sans mal à arracher la calotte crânienne de Damien qui poussa un hurlement. Cliclo plongea alors ses deux mains dans le crâne du malheureux et arracha d'un coup le cerveau palpitant de Damien. C'est le cerveau entre les mains que Cliclo avança tout doucement en direction de la caméra qui filmait toujours. Et c'est devant les spectateurs restants que Cliclo brandit en gros plan le cerveau avant de le broyer avec ses doigts dans un rire démoniaque. Les spectateurs n'eurent pas le temps de se déconnecter. La connexion fut d'elle-même interrompue après que le clown eut broyé le cerveau de Damien. Au même moment, dans notre monde, la police et la gendarmerie sont en alerte, de multiples signalements les ayant prévenus. Là où certains cherchaient les traces des vidéastes dans la forêt du Mont Pharaon, d'autres cherchaient, eux, dans les égoutiers. Et c'est au fond du tunnel que se trouvaient les caméras de Piment et Damien. En quelques heures, les enregistrements furent copiés à de multiples reprises, partagés sur tous les réseaux sociaux par les spectateurs. La malédiction de Cliclo, le clown fantôme, firent le tour du monde, là où certains criaient au fec, d'autres y croyaient et voulaient aller voir de leurs propres yeux. C'est ainsi que de nombreux avis de recherche de pseudo-chasseurs de fantômes commencèrent à circuler sur Internet ainsi que sur les murs de la ville.